et mal. Comment ça, bien et mal? Bien pour Gertrude, mais mal pour le restaurateur. Hein? C'était la soirée du homard en société. La soirée du homard en snob? Mais non, ça, c'était spécial, ça. Homard à satiété. Comprends-tu? 15 piastres, là, puis t'en manges tant que t'en veux. Ah, puis crois-moi, Pierrot Gertrude en a eu pour son argent. Tant que ça! Oh, bon, une couple de douzaine de lobsters de plus pour vider le main. Il y a presque pas de viande dans ces petites bêtes-là. Ah, t'as pas à t'excuser, Gertrude. T'avais parfaitement le droit de manger autant de ces petites bêtes-là que tu voulais. Ah, pour une fois que c'était le restaurateur qui passait au cash à ma place. Merci de m'avoir appuyé, Bertrand. J'ai pas de mérite. Tu t'appuyais bien toi-même tout seul. Je vois déjà le restaurateur d'ici, oui. T'aurais dû le voir pour essayer de cacher ses homards en dessous de la piscette. Je l'ai attrapé, mais juste au moment où il s'en allait dans la cuisine. Marie-Ro, elle a surveillé à son assistance comment il voulait sauver avec le restant du beurre à l'ail. T'es au bout, maman. Le restaurateur va être aussi rouge que son homard. Oh, oui. Qu'est-ce que t'as, maman? Oh, t'as-tu de la peine? Ben, dis-moi pas que t'as encore faim. Oh non, 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 non! Puis, j'ai pas de peine non plus. Je suis émue! Émue? Oui. Mais il y en a du monde de même qui sont émus par les homards, les couleuvres, les sangsues. Vous rendez-vous compte de ce qui s'est passé ce soir? Pour la première fois de ma vie, là, toute ma famille m'a secondée. Toute ma famille a pris ma part! Et j'ai plutôt l'impression que c'est toi qui as pris la part d'un homard de toute la famille. C'est pas parce que t'as mangé du homard que tu dois te conduire comme un crâne. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que tous les membres de ma famille se tiennent ensemble. T'avais raison, je traîne un pour tous, puis tous pour un, puis 10% de commission pour moi. Aïe, aïe, j'y en ai. Non, moi, Gertrude, je vous comprends. Quand on sent que toute la famille nous aime et est prête à nous aider, ben on n'a plus peur. C'est ça, belle maman, c'est ça. On a confiance les uns dans les autres. Ce soir-là, j'ai senti que toute ma famille pouvait me soutenir. Non, j'ai rien dit, moi. Moi non plus. Moi non plus. Gertrude, vous avez raison. À qui faire confiance si on ne peut pas faire confiance à sa famille? Tais-toi, toi! J'ai rien dit, moi. Moi non plus. Moi, là, je sens qu'on est comme... qu'on forme comme un... Un clan! C'est ça, belle maman, un clan! Bon, ça y est, après le clan Beaulieu, on a le clan Séguin. Oh, oui! Le clan Séguin! Oh, puis vous êtes le pilier du clan Séguin. Oh, c'est avec un pilier de même, il n'y a pas de danger que le ciel nous tombe sur la tête. C'est comme la famille Souci, ça, mais pas de violon. Non! Non, non, c'est... C'est comme Dallas, hein? Excepté que dans Dallas, ta femme est la branche des grosses affaires. Ouais, je l'ai dit. Moi non plus. Ben, moi, je vais dire quelque chose. Pierrot! M'en va me coucher. Pierrot, viens, minutes. Un gros bec pour la nuit, ça fait une famille unie. Ben, un gros bec pour la nuit, ça parle wizzy-wizzy. Hector! Ben, c'est ça. Bertrand! Je vais pas me coucher tout de suite. Ah, oh, oui, 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 je vais commencer à me coucher tout de suite. Puis, et papa, pour le gros bête, c'est moi qui vais t'en donner un tout de suite. Je t'avertis, là, moi, là. Hein? Bon, j'arrête ça. Oh, depuis que j'ai le clan Séguin derrière moi, c'est bien simple. J'ai plus peur de rien. Il est trop tard! Il n'y a jamais trop de temps pour bien faire! Non, c'est que le free-free, man!
Ça va, le feu est éteint. Vous pouvez entrer. C'est plus chaud, hein, là, les murs puis les planchers. Non, madame. Ah, bon, parce que vous comprenez, ça échaudé craint le feu. Et l'eau? Ben, craint le feu d'abord, puis l'eau ensuite. Non, excusez-la, elle est tout feu de flamme. Eh bien, attends, qu'est-ce qui courait dans le ventre de feu, toi? Non! Monsieur, monsieur, est-ce qu'on peut remonter chez nous, là? Ah, non, attendez que mes hommes aient terminé en haut. De toute façon, pour le moment, c'est pas bien, bien habitable. Oh. Il y a beaucoup de dégâts? Assez, oui. Mais on a réussi à circonscrire l'incendie au hall d'entrée et au garde-robe. Ah bon? Oh. Oh. Bertrand, depuis quand on circoncit un feu? Mais merci, Hermance, d'avoir appelé les pompiers si vite. Ça m'a fait plaisir, Bertrand. Ça m'a fait plaisir. Ah oui? Madame, avez-vous l'intention de passer la nuit dans le hall d'entrée? Non, oh, mon Dieu, tout le monde chez nous? Ah. Ah. André, André. Chez nous, c'est chez vous. Ah, ben ça, c'est Jean-Marc. Merci, merci, madame. Fais attention, mon petit amour, là, il pourrait te prendre au sérieux. Très sérieux, Arthur. C'est pas sérieux. Viens te le dire. Oh, mais quand... Oh, c'est donc beau, une famille qui s'aide dans le malheur. Hein? Ah, une famille qui cuit est une famille unie. Hermance, va faire du café pour tout ce beau monde-là, là, pour qu'ils puissent retourner dormir chez eux avant qu'il fasse clair. Qu'est-ce que tu dis là, mon amour? Ils vont tous rester ici jusqu'à temps que l'appartement en haut soit réparé. Mais voyons, Hermance... Mais je suis sûr que ça prendra pas beaucoup de temps, mon amour. Tu peux compter sur mon efficacité. T'es tellement efficace que c'est toi qui vas préparer le café. Bon, on va distribuer les chambres. Il n'y en a rien qu'une. La mienne. Le café, Arthur. Le café. Papa, Madame Séguin, je vous laisse le salon. Oh, qu'elle est gentille, ta fille, Hector. Ben oui, non, tel père, telle fille. Pierrot, tu vas coucher dans la cuisine? Ah, si ça vous fait rien, là, je vais aller coucher chez Micheline, hein? Cuisine pour cuisine, j'ai un meilleur poil là-bas. Bye! Puis vous, Bertrand et Gertrude, je vous laisse la salle à manger. Alors? Dormir dans une salle à manger, le rêve de ma vie. Oh, oh, je vous adore, Hermance. Le clan Séguin s'agrandit de jour en jour. Le café. Bon, Joël, c'est vite. J'ai réchauffé le vieux café. Non, mais le clan s'agrandit toujours et toujours. Hein? Oui. Merci. Ben voyons donc, Gertrude, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais c'est triste, un feu. J'ai besoin de fumer qui a fait pleurer. Monsieur Potvin, auriez-vous l'obligeance de ne pas faire de faire start sur le dos de ma femme? C'est vrai que c'est triste, un feu. Une grande calamité, en effet. Oui. Sauf dans un crématoire. Qui disparaissait. Dans votre cas, Gertrude, ça prend... Monsieur Potvin, vous en prie. Pleure pas, Gégère, pleure pas. Bon, ben, je vais vous montrer votre chambre. Ma chambre à manger? Oui, c'est ça. Bon, ben, bon restant de veiller, là. Oh, c'est ça, merci. Oh, là, là. Non, mais là, là, il va rester à décider lequel de nous deux va coucher sur le sofa. Oh, ben! Attends. Le premier qui finit est celui qui est mal pris. Ah! Parfait. Bon. Tu vois, allez, ça. Attends un peu. Ça? Tu parles de nuit, oui. Ouais, certain. Oh, bon. Excusez-moi. Vous me permettez de vérifier quelque chose? Je vous en prie, monsieur. Mais c'est quelque chose qui ne va pas? Ben. J'arrive pas à trouver l'origine de l'incendie. Et puis, après, ça fait. Ben, un feu. Faut que ça parte en quelque part. J'arrive pas à trouver où et comment le feu a commencé. Ah, ouais. Ah, mais attendez un peu, là, de que le foyer marchait. Ah. Non. Non, c'est pas là, j'ai vérifié. Non. Pas ici non plus.
Bon, ben, désolé de vous avoir dérangé, hein. Ah, ben. Coudonc, c'est drôle, ça. C'est drôle, c'est drôle. C'est pas drôle, ben, tout. Un feu, pauvre enfant. Mais ça prend pas tout seul, ça. Hein? C'est. Ça prend quelque chose. Ou quelqu'un. Hey, Hector, t'as pas le droit de penser ça. Mais je pense pas, je pense pas. Non, non, non. Bon. Oh. 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 Oh non. Oh non. Oh non, non, non. Oh non, Hector, c'est sûrement pas quelqu'un qu'on connaît. Qu'est-ce que tu te prends, là? Ouais, je dis non. Non, je dormirai pas sans rien. Ah. Oh. Alors. C'est extraordinaire, comme feu. On peut dire que c'est le feu parfait. Je suis pas si fort. Hein, tu ne vas pas aimer ça du tout, du tout, du tout. Hey Bertrand, finis la porte là, dans laquelle j'avais un petit peu de misère à penser. Hey, finis le cantoron. Où est-ce que je me cognais ça la porte à tout coup? Feu, feu, joli feu, ton ardeur nous réchauffe. Marie-Rose! Marie-Rose! Non! Marie-Rose, allez! Qu'est-ce qu'il y a? Marie-Rose, c'est Gertrude du Bertrand! Oh non, attends, là, je refuse, là, non! Si j'ai entendu chanter le feu, feu, joli feu, ton ardeur nous réjouit! Non, ça se peut pas! Je te le dis, viens voir! Oh, Seigneur, s'il vous plaît, Hector, Seigneur, non! T'endors-tu, toi? Ah, non. Moi, j'ai faim! Encore? Des bonnes nouvelles comme ça, ça me donne faim. Hey, même si c'est vrai, moi, je refuse de l'entendre, non? Il faut, Bayron, il faut. Oh. Bertrand, Gertrude, excusez-nous, je le sais que c'est pas vrai. Arrête de t'excuser, ils sont partis. Bon. Oh, ben, tu vois bien que t'as rêvé. Viens-t'en. Là, j'en peux plus. Il faut que je te dise. Dors! Réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a en haut? Je suis plus capable d'essayer d'avoir l'air triste à cause du feu. Hermance, j'ai doublé mon assurance feu sur la maison. La sorte? Juste avant le feu. Va donc t'asseoir, toi. Hector, il y a sûrement une explication. C'est pas une explication que ça me prend, moi. C'est deux explications que ça me prend. Non, arrête, Hector, arrête. Non. Elle dit que... C'est le temps de le dire, hein? Allô, le clan? Oh! Mais comment tu fais pour faire des farces dans des moments pareils? À quoi tu penses? À Sherlock Holmes. Lui-ci, il a dû avoir des déceptions dans sa vie. Ben, t'es pas drôle, Hector, hein? Mais laisse faire, Watson, laisse faire. Dans le moment, ce qu'il faut, là, c'est les confronter. Mais pour qui tu te prends, Hector? Pas de vin. Oui, pour Columbo. Non, plus vite. Alors, tu serais prêt à dénoncer toute ta famille? Ah bon? Parce que t'es rendu que t'as même plus confiance en ta propre famille? Hé, j'ai jamais dit ça, là. T'as deux choses, là, Marie-Rose. Ou ils sont coupables ou ils sont pas. Fait que s'ils sont coupables, moi leur dire de faire attention. S'ils sont pas, moi leur dire de faire attention. Hé, comment tu dis ça, Paul-là? Je te dis, t'as deux choses. Il faut dire la vérité. Oh, toute vérité est pas bonne à dire. Oui, mais tout dicton est loin de la vérité, OK? Hé, Gertrude! Bertrand! Arthur! Hermann! Dans le salon, là, c'est un homme! Je pense que t'as pris l'idée du clan un peu trop au sérieux, toi, hein? Marie-Rose, la cour est ouverte, mais le reste est fermé. Qu'est-ce que vous avez appris des mains? Vous trouvez pas qu'on a eu assez de problèmes pour aujourd'hui? Des problèmes, encore des problèmes, ouais. Toujours des problèmes! Yes, soyez-vous. Hein? Soyez-vous. Hein?
Pleure pas, mon amour. Je vais faire rebâtir le duplex aussi beau qu'avant. Peut-être même plus beau qu'avant. Ce sera jamais comme notre bon vieux duplex. Assez. Arthur, rassoyez-vous sur le bras. Oui, mais tant qu'à faire, hein. Arthur, rassoyez-vous sur le bras, vous aussi, Bertrand. Bertrand! Ça vous a fait de la peine, ce feu-là? Hein? Ah oui! Ah, beaucoup! C'est triste, hein, feu? Oh oui! Joli feu, t'en as connu! Ah, écoutez, non, non, tout peut s'expliquer. Mais... si on est... Arthur! Vous aussi? Ça vous fait de la peine? Oh oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Oh oui. On peut-tu dire que ça vous fait le double de la peine de Bertrand? Qu'est-ce que vous voulez dire au juste par le double? Le double, comme... comme doubler une voiture, doubler sa mise, ou doubler ses assurances. Feu! Hector, arrête, j'en peux plus. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe? Oui. Ah oui. Ah. Il se passe que le chef des pompiers est pas capable de trouver la cause du feu. Niaiseux qu'il est, niaiseux, parce que lui, il cherche en haut, quand le coupable est probablement ici en bas. Pas vrai? Oh là, je comprends! Vous pensez qu'on aurait mis le feu nous-mêmes? C'est pas bizarre. Qu'est-ce que vous avez dit au juste? J'ai dit que je savais pas lequel de vous deux avait mis le feu à raison. Ah, parce que vous croyez que c'est moi qui ai mis le feu pour collecter l'assurance que j'ai doublée hier après-midi. Parce que vous croyez que j'aurais mis le feu moi-même pour embellir notre appartement? Oui. Eh bien non, on n'a pas mis le feu. Pourquoi que vous aviez l'air triste, bon? Parce que j'avais peur qu'Arthur pense qu'on avait mis le feu. Depuis le temps qu'on lui demande d'améliorer le logement. Tant qu'à moi, oui, le feu a fait mon affaire. Au risque de me répéter, pourquoi vous aviez l'air triste? Parce que j'avais peur que si Bertrand savait que je collecte le double, il me demanderait des améliorations en plus finies. Mais qui? Hein? Qui a mis le feu? Moi, je ne sais qui. Le coupable, c'est une petite bête qui picosse. Hector! Mais je vais bien! Papa? Oh, papa! Rapportez! Oui. Comment avez-vous trouvé ça, votre première journée d'hébergement à Hermance? Vous n'êtes pas trop fatigué? Oh, pas tout. Bon. Famille, il faut bien que ça s'aide, hein? Oui. Puis, ça a tué à votre goût. Excellent. Oh, c'était bon. Délicieux. Bon, je comprends. Je dis que... chapeau, Hermance. Avoir fait un lunch comme ça après ta job blanche, je te dis que ton mari il a frappé de vrai jackpot. Ouais. Non, parlant de ton mari, là, il arrive dans 20 heures, le tour de même. Non, pas s'il veut rester vivant.
Non, non, sérieusement, il m'a téléphoné. Oh, il était tout énervé. Il a ses plans de rénovation, puis ses ouvriers. Ah, oh, ben, il a-tu mérite dans la propre petite nuit qu'il a passé, hein? Ben, on a tous eu une bien petite nuit, oui, hein? Oui. Oh, oui. Hey, moi, j'en reviens pas que ce soit juste une petite souris qui nous a donné tout ce trouble-là. Mais oui, le chef des pompiers nous l'a expliqué. Petite souris de même, des petites bêtes. Ça gruge n'importe quoi que ça peut trouver. Tant pis, c'est des fils électriques. Eh bien, les enfants, tout est organisé. Hein? D'ici une semaine, vous pourrez réintégrer votre domicile. Oh! Oh! Non. Arthur, as-tu bien suivi les plans que je t'avais demandé? Gertrude, regarde, la porte et le garde-robe comme tu l'as vu. Oh, oh, t'es un amour, mon frère. En as-tu déjà douté? Eh bien, pour être franche, oui. Oui. Moi, j'avais peur que tu m'esquines sur la qualité. Bon, est-ce que je suis genre d'homme qui ferait ça? Oui. Oui. Sachez que tout ce que j'entreprends est de qualité. J'ai même engagé 3 excellents menuisiers. Tout sera terminé d'ici une semaine. Ah, mais bravo! Oui, à moitié prix. Oui, madame. D'ailleurs, il commence maintenant. C'est des pompiers. Ils dorment le jour à la caserne en attendant des feux, puis ils travaillent la nuit.